entrez. C'est moi. Tu dors pas? Non, j'ai pas sommeil. Ça t'ennuie pas si je reste un peu avec toi? J'ai pas envie d'être seule. Johnny n'est pas là? Non, il est allé répéter avec des copains. C'est dur d'être la femme d'un musicien. Arrête, c'est juste un copain. Ah bon? Mais je croyais que vous... Mais oui, mais on fait ça entre copains, quoi. Ah oui, je vois. Et toi, tu en es où? Bof. Mais comment tu le trouves, toi, Christian? Qui ça, le cousin d'Edouard? Ben oui. Mignon, mais j'ai pas vraiment eu le temps de juger. Du reste, tu te l'accaparais immédiatement, alors. Ah bon, tu trouves? Bah oui, tu ne l'as pas lâché d'une semelle. Oh, mais moi, je le trouve sympa, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il a de beaux yeux aussi. Des beaux yeux. Il n'a pas que ça, d'ailleurs. Arrête, on dirait deux marchandes de volailles en train de discuter de leur petit poulet. C'est toujours ça, les filles, quand elles parlent des garçons. En tout cas, je crois que t'as toutes tes chances. Ah bon, tu crois? Ah ben ouais, s'il avait pu te déshabiller avec les yeux, il l'aurait fait. Oh, quelle horreur, devant tout le monde. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit le cousin d'Edouard. Ah, ça c'est vrai que la nature a ses mystères. Il a 23 ans, c'est ça? C'est ça, Lola. Tu me l'as déjà répété 3 fois et tu m'as déjà tout dit 3 fois déjà. Ah bon? Tu sais, Lola, tu m'étonnes de plus en plus. Ah bon? Pourquoi? Bah, avec tes airs de Sainte-Nitouche, finalement, t'es pire que moi. Hein. Moi, pourquoi tu me dis ça? Bah, écoute, Julien, Frédéric, Benjamin et maintenant Christian. Oui, mais les 3 autres, c'était juste des flirts. Mais tu vois, avec Christian, ben, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pourrait être beaucoup plus. Des flirts? T'as quand même passé la nuit dans la chambre de Benjamin. Oh, mais Joanne, mais qu'est-ce que tu vas penser? On a discuté, c'est tout. Pas à moi, Lola. Oh, bon, d'accord. On s'est un peu embrassé. Mais je te jure que c'est tout. C'est tout. Je te donne ma parole. Bon, je te crois. Mais ma pauvre Lola, tu sais vraiment pas ce qui est bon. Enfin, écoute, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ben, c'est tout ce qui se passe avant. C'est quand on apprend à se connaître, qu'on se prend la main, qu'on discute. Tu sais, j'étais un peu comme toi avant. Bah, tu vois. Oui, mais j'avais 14 ans. Tu comprends, mon papa, un chorus, c'est un peu comme la colonne vertébrale d'un morceau. C'est pour ça qu'il faut que ce soit impeccable. Ah bah oui, oui, bien sûr. Mon papa, je vais avoir du travail, mais je ferai de toi un spécialiste de la rock, ça j'en suis sûr. Ah, ben c'est gentil, Johnny. Mais vous savez, faut peut-être pas vous donner tout ce mal. Je peux très bien vivre sans connaître à fond le hard rock. Mais moi, ça me fait plaisir de partager mes passions avec toi. C'est marrant, non? Oui, 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 bien sûr. Eh, hey, tiens, si tu veux, dimanche, je t'accompagne au golf. Non, non, merci. Là, je peux très bien y aller tout seul. Mais fais pas le timide, eh, beau papa. Je suis sûr que tu meurs d'envie de me présenter à tous tes partenaires, hein? C'est pas vrai, il va finir par l'adopter. Bonjour, papa. Salut, Johnny. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Joël. Salut, tout le monde. Bonjour, les femmes de ma vie. Bon, je vous laisse avec beau papa. Je vais profiter que votre salle de bain soit libre. Bah, Johnny, vous avez votre salle de bain? Oui, mais je préfère celle des filles, elle est plus confortable. Puis il y a plein de petits produits dedans, j'adore ça. Il est vraiment casse-pied, celui-là. Hein? Il vide tous mes produits de beauté. Oui, mais ça lui rend la peau tellement douce. Ah oui. Ah oui, je t'assure, Antoine, tu devrais essayer, tu sais. Mais toi, tu devras t'en acheter, parce qu'alors les miens, ça commence à bien faire. Mais bon, j'y penserai. Ah, à ce propos, vous ne m'attendez pas pour dîner ce soir, les filles? Ah bon, Sylvie? Non, non, Isabelle. Isabelle? Oui, Isabelle. Ah bah, tu la connais, la petite stagiaire à qui je donnais des conseils. Ah oui, Isabelle. Ah, pourquoi tu fais cette tête-là? Écoute, Isabelle, moi, je la trouve nulle. Je trouve que tu mérites beaucoup mieux. Bon, non, pourquoi tu dis ça? Moi, je la trouve très bien, Isabelle. Et puis, au moins, tu ne pourras pas semer le doute dans son esprit. Elle sait que tu es ma fille, maintenant. Et Sylvie? Oh, bon, Sylvie, tu es un peu trop jeune pour moi, tu comprends. Elle n'a que 26 ans. Et Isabelle? Oh, Isabelle... 27. Oh oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Alors voilà. Je t'ai pas trop manqué, beau papa.
Dans votre bain. Ah bah ça y est, je vous lave vite, moi. Hop. Bon, bah de toute façon, nous, il faut qu'on file. Ah, j'arrive. Laure et bas, plus, hein. Salut. Tu viens, Johnny? Non, non, je vais rester un peu avec vos papas. Ça fait du bien d'être entre hommes, hein? Bon, alors je continue. Où j'en étais déjà? Ah oui, oui. La philosophie du hard rock. Je t'explique. Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Rien, moi ton café. Ah d'accord, vous préparez une place pour Lola, c'est ça? Eh ben oui. Bon, eh ben puisqu'on en est arrivé là. Mais c'est très gentil de penser à Joël. Salut les garçons. Voilà. Tiens, bien, c'est toi là. Non, là, oui. Tu seras mieux, à mon avis. Bon. Edouard n'est pas là? Non, je crois qu'il doit encore avoir un problème avec sa voiture. Ah, oh, zut. Bah, j'espère qu'il va pas trop tarder. Oh, il te manque tant que ça? Ah non, je disais ça comme ça. Il est sympa, le cousin d'Edouard, non? Ah oui, il est vraiment super. Vous, vous le connaissez super bien. Il s'appelle comment, déjà? Christian, c'est ça? Oui, oh, tu sais, ça fait deux ou trois fois qu'il vient à Paris, hein. Oui, il est en fac à Toulouse, je crois. Ah bon, il ouais. Est comment? Provincial. Gentil, remarque. Mais bon, c'est un garçon qui vient de la campagne, ça se sent. Qu'est-ce que vous racontez, là? Il est super sympa, super marrant, et puis il est pas en fac. Il est guide de haute montagne et champion de ski. Ce qu'il y a, là, qu'est-ce que j'ai dit? Guide de haute montagne, mais c'est génial. C'est malin. Tu sais, guide, Lola, guide de haute montagne, c'est un peu comme un moniteur de colo, hein. C'est pas terrible. Ah ouais, mais moi, je trouve ça super. Ah ouais, c'est pas mal. En plus, il paraît qu'à la montagne, il y a des refuges où on peut passer la nuit. C'est super intime. Joël, tu exagères. Ah, mais tu ne penses qu'à ça. Tout de même, c'est quand même ce qu'il y a de plus drôle dans la vie, non? Vous ne pensez pas, les garçons? Oui, oui. Oui, enfin... À condition d'être deux. Oh. Ah, tiens, voilà Edouard. Là, je crois que j'avais raison à propos de la voiture. Hein. Ouais, ça. Bah, Edouard, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bah, bonjour, Lola. Excuse-moi. Comme d'habitude, ma voiture. Hein. Excuse-moi pour le retard. C'est pas grave. Ton cousin n'est pas avec toi? Ah, bah, non. Il avait rendez-vous avec une copine, là. Ah, ouais, bah, il a un succès fou, vous savez. Ah, oui, ça, je sais. Les femmes. Tu vois, mon papa, c'est quand même ce qu'on a inventé de mieux. Enfin, après les motos et les guitares. Oui, oui. Mais tu vois, c'est un sujet dont on peut parler des heures, toi et moi. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que j'ai bien senti que le hard rock, c'était un peu difficile pour toi. Hein? Ah non, Julie, non, mais vous voyez, au bout d'une heure... Oui, bien ce que je dis. C'est un peu difficile. Faut y aller progressivement. Oui, mais là, je crois que vous m'avez dit l'essentiel. Hein? Pas du tout, je t'ai juste donné un vague aperçu. Enfin, revenons-en aux femmes. Ah, oui, oui, oui. Mais demain, si ça vous ennuie pas, hein? Parce que là, il faut que j'aille travailler. Quoi? T'as bien 5 minutes? Tu veux que je téléphone à mon oncle? Non, non, non. Bon, bon. Alors, qu'est-ce que je disais à propos des femmes, en fait? Que c'était la plus belle chose au monde. Ah oui, oui. Enfin, après les motos et les guitares. Sauf ta fille. Parce que tu vois, elle, je la mettrais plutôt entre les motos et les guitares. Vraiment le canon. Et puis elle a de la classe. Ah oui. Oui, merci Johnny, merci. C'est un peu comme Miss Monde. Tiens, au fait, t'as avalé le coup de sa fugue. Aïe. Ah, excuse-moi, beau papa. T'es encore sensible, ça se voit. Hein? T'es comme après une blessure. T'as fait une croûte, mais la croûte est pas tombée. Ah, merci pour la métaphore, Johnny. Vous me gâtez. Hein? Oui, bon, admettons. Mais dis donc, en fait, comment allait ta nouvelle copine? Très bien. Ah, mais vous la connaissez, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, ouais.
C'est la fille qui était là le jour où vous êtes venu me dire que vous étiez amoureux de Lola. Miss Bois-Colombe. Oh, franchement, tu méritais mieux que ça. Pourquoi vous me dites tout ça? Mais trop âgé pour toi. Enfin, à ton âge, il faut jamais dépasser les 26 ans. On est à peine 27. Oh, bah, fais plus alors. Ça y est, tout est parti. Mais, Edouard, je ne te comprends pas. Tu laisses ton cousin vraiment seul? Oh, bah, tu sais, il sait se débrouiller à Paris, hein. Il a plein de copines, alors. Oui. Et puis, tu sais, un guide de haute montagne, ça ne se perd jamais. Ouais. Surtout quand il a plein de copines pour le guider. Bah, remarque, je comprends les filles qui sont folles de lui, hein. C'est un type super. Ah, parce que tu le connais bien? Bah, tu plaisantes. On passe toutes nos vacances ensemble depuis qu'on est comme ça. Ah bon? Oui, je lui ai fait découvrir plein de trucs. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un type qui a une véritable admiration pour moi. Ah bon, mais pourquoi? Je suis un peu comme un exemple pour lui, quoi. Non, mais dites-moi que je rêve. Tiens, voilà le reste de la ruche. Ah. Oh, zut. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Non, non, ce n'est rien. Salut les nazes! On a rencontré Benjamin devant la porte. Ah. Salut tout le monde. Salut. Bonjour Lola. Ça va? Oh oui, ça va très bien. Lola? Enfin, écoute, Benjamin, pas devant tout le monde, enfin... Excuse-moi Lola, il faut que je te dise quelque chose à propos de ton père. Ok, merci. Vous nous excusez les garçons? Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as encore rien dit? Mais non, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je peux faire? T'es sûre qu'il ne te plaît plus? Mais certaine. Enfin, tu l'as vu à côté de Christian. Bon, d'accord, alors je le prends. Ça ne t'ennuie pas? Ce que tu racontes? Bah, s'il ne te plaît plus, je le prends. Thérèse, quand ils sont comme ça, je suis d'accord. C'est vrai, il te plaît? Bon, disons que ça m'amuse. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je m'occupe de tout. Tu vas voir ce que c'est que le talent. Joël, je t'adore. Mais... Et Johnny? Johnny, ça lui fera les pieds. Vous voyez, on n'a pas été longue. Qu'est-ce qui vous arrive encore avec vos cachotteries? Oh, rien. C'est dingue ce besoin de vouloir toujours tout savoir. Bah, on veut tout savoir quand ça concerne Lola, c'est tout. Benjamin, ça va? Oui, c'est bien sûr que ça va. Ça va même très bien. T'occupes pas de lui et des frisés parce que je lui ai dit que tout était fini entre vous. Non mais Johnny, mais comment t'as pu? Quoi, c'est vrai, non? Il allait pas rester là comme un cac. Faut qu'il sache. Et puis c'est un service qu'on se rend entre musiciens, pas vrai, Benjamin? Bien sûr, Johnny. Mais je rêve. Non, mais enfin, excuse-moi. Mais enfin, je peux régler mes affaires toute seule, je suis assez grande. Ah ouais. Elle a raison, hein. Elle est encore plus belle quand elle est en colère. Ah oui, c'est vrai. Ah, elle est sublime. Bon, Lola. Écoute, Benjamin, je vais t'expliquer, mais pas ici. Attends, je voudrais te dire un truc, Benjamin. Tu m'accompagnes, on va faire un tour? Pardon? Je te demande si tu peux m'accompagner faire un tour. C'est clair, non? Ben... Écoute, Lola pourra t'expliquer tout ça tout à l'heure. Allez, viens. Ah, sacré Jojo! Elle a bon cœur, cette petite. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je la connais, la Jojo. Elle l'a emmenée pour le consoler, si vous voyez ce que je veux dire. Lola, si tu as besoin d'être consolée, tu sais que je suis là. Il voulait dire on est là. Non, merci. Pour moi, tout va très bien. Puis de toute façon, il faut que j'y aille. Déjà? Bon, allez, à demain, les garçons. Ah, au fait, Edouard, tu fais oui, quelque là, là. Chose ce soir? J'ai un rendez-vous, mais je suis pas annulée. Ouais, parce que ce serait sympa que tu viennes dîner à la maison. Ça fait longtemps. Ah bah, oui, Lola, bien sûr. Ah, et j'oubliais, tu peux inviter ton cousin, il est sympa. Oui. Hein? Bon, bah, salut. Oh.
va bien, Lola. Ne t'inquiète pas pour Benjamin. C'est réglé. Comment tu as fait? Ben, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu lui as tout expliqué. Disons que je l'ai surtout consolé. Joël. Tu veux dire que tu es déjà sortie avec lui? Bah, il n'y a pas 40 façons de consoler un garçon, d'autant plus quand il est mignon, c'est un vrai plaisir. Mais ne me dis pas que... Bah quoi, fais pas cette tête-là, j'avais ton autorisation, non? Oui, bien sûr. Bah, on peut dire que tu n'as pas perdu de temps. Je ne perds jamais mon temps avec les beaux garçons, c'est un principe chez moi. Lui non plus, d'ailleurs. Si tu veux tout savoir, j'ai pas eu beaucoup de mal à le convaincre. Hein. Tu vois. Et moi, j'avais des remords. Bah, j'ai bien fait de le laisser tomber. Un garçon qui se console aussi vite. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des arguments. Oui. Ça, je sais. Tu ne dois pas trop lui en vouloir, tu sais. Une fille exceptionnelle comme moi. Ça ne se trouve pas tous les jours. Non, sérieusement, je crois qu'il t'aimait comme un garçon aime. Mais ne dis pas ça. Il y en a qui aiment vraiment. À qui tu rêves, là? Moi? À personne. Tu t'es fait belle ce soir? Oui. Édouard vient dîner à la maison. Seulement Édouard? Enfin, il a dit qu'il viendrait peut-être avec Christian. Ah, je comprends mieux. Ben, comment tu me trouves? Montre. Très belle. Je crois que tu vas vraiment pas avoir de problème. Ah bon, tu crois? J'en suis certaine, t'inquiète pas. Oh, Joël, je suis tellement heureuse. Eugénie, tu as prévu de changer d'assiette après l'entrée? Mais oui, mademoiselle Lola. Comme si j'avais l'habitude de vous faire manger la viande dans le poisson. Tu es sûre qu'il va y avoir assez de toast? Mais oui. Et pour le dessert? J'ai fait des îles flottantes comme vous aimez. Pas trop sucré, hein? Non, mais dites-moi, mademoiselle Lola, c'est quand même pas le roi de Prusse que nous recevons. Non, Eugénie, mais il faut que le dîner soit impeccable, parce que nous recevons mieux que le roi de Prusse. Mais qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Lola? C'est pour monsieur Édouard que vous êtes si inquiète? Mais non, Eugénie, c'est pour son cousin Christian. Il doit venir avec lui. Il est mignon? Oh, Eugénie, tu peux pas savoir, je suis sûre que tu vas craquer. Enfin... pas un mot à papa. Oh, enfin, pour qui vous me prenez? Remarquez, vous avez bien fait de m'en parler. Je vais le tester. Pas trop, Eugénie, hein? Mais non, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous savez bien que moi, les garçons, ça me connaît. Et en fait, comment il va, monsieur Émile? Ah, très bien. D'ailleurs, il m'a chargé de t'embrasser. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Ça va, toutes les deux? Vous vous aimez toujours? Comment vous me trouvez? Oh, sublime. Vous voulez mon avis? Vu votre tête, Eugénie, non. Tu fais bien d'être prudente. Eh ben, j'espère que vous l'avez pas payé trop cher, votre ensemble. Vu le peu de tissu qu'il y a dessus. Elle ne comprendra jamais rien à la mode. Pauvre Eugénie. Elle est sympa, tu sais. Oui, je sais, mais elle le cache bien. Joël, dis-moi... tu me promets d'occuper Édouard toute la soirée pour que je puisse être tranquille avec son cousin. Mais oui, je te l'ai dit, je m'en occuperai. Oh, tu me laisses pas tomber, hein. Mais non, enfin, ça va être dur de se trimballer Édouard toute la soirée, mais je te dois bien ça. D'accord. Bon. Oh, mon Dieu, je l'avais complètement oublié celui-là, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Oh yeah, ça c'est ta meuf. Ah, Johnny, tu es là. Oui, oui, mon bébé d'amour. Tu vous dînes avec nous? Ben oui, je fais partie de la famille, non? Plus belle comme vous êtes, faut que je vous surveille, mes cailles. Ouais, ben écoute, Johnny, si tu veux, tu peux rester dîner. Mais alors, côté surveillance, hein, tu mets la pédale douce, d'accord? J'adore quand on me parle comme ça. Non, mais dites-moi! On s'est mis dans ses frais. Un vrai repas de gala. Et pour l'autre cake, tout ce tralala. De quel cake tu parles, mon Johnny? Eh, c'est vrai, il y en a tellement, on s'en sort plus. Ah, au fait, comment ça s'est passé avec l'autre grand naze? Qu'est-ce que tu racontes? On est juste allé prendre un pot. Fallait bien que je le console. Voilà votre invité. Eugénie, tout est prêt? Mais oui, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lola. Attends, laisse-moi, je vais y aller. Regardez-moi. Tout va bien? Parfait. Vous n'avez jamais été plus belle.
Salut Lola. Excuse-moi, je suis un peu en avance. Oh, c'est pas grave. J'étais tellement impatient. Tiens, c'est pour toi. Merci. Est-ce que tu es belle, Lola? Merci. Oh. Tu es tout seul? Ouais. Christian ne vient pas. Ah bah non, parce que il avait déjà prévu quelque chose ce soir et comme il n'a pas pu se décommander, bah c'est bête, hein. Bon, bah c'est pas grave. Non, mais si tu veux, il y a Eric, Richard et Bruno qui attendent dans la voiture, là. Et je me suis dit que comme Christian ne venait pas, bon, bah ça ferait une place de libre. Mais je préférerais que ça soit toi qui choisisse. Allez les chercher tous les trois. On est moins malheureuse quand on a un bourdonnement d'abeilles dans les oreilles.